Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadekim Shara Torah. Alors il nous a dit le Rav que Rabbi Yehuda Hanassi, il nous a sauvés, il a sauvé la Torah Gosha, après qu'on a reçu deux Torah, Torah Shebichtav et Torah Shebalpe, la Torah écrite, Torah orale. Maintenant, il a compris, il a vu que la Torah orale, elle commençait à s'oublier. Qu'est-ce qu'il a fait? Mishum et la sot de Hashem et Pio Torah Techa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écrire tous les Mishnayot, il les a compilés. Avec son Bet Din, il a vérifié tous les Mishnayot, ceux-là qu'ils sont bien et corrects. Alors il les a écrits, sinon il les a appelés Braitot. Braitot, c'est des Mishnayot Bara, ça vient du mot externe, dehors. Ils sont restés en dehors du Bet Midrash de Rabbi Yehuda Hanassi. Après, il est venu au Birya, ils sont venus les Lévi, ils sont venus aussi Rabbi Oshaya, il dit aussi le Rabbi Sibar Kapara, ils ont pris les Braïtot et ils ont aussi compilé, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié les Tosaftot et les Braïtot, ils ont vérifié ceux-là qui sont corrects où il y avait des fois des Shibushim. Shibushim, ça veut dire des fois des manques de mots ou une mal compréhension, mal explication, et il ne les a pas mis dans les Braïtot, parmi les Braïtot. Alors maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Amorim sont venus et ils ont commencé à faire des machloket, des discussions selon les Pirush Mishnayot et les Tosaftot et les Braïtot. Jusqu'à, ici nous dit le Rab, Rabbi Yohanan, lui, il a écrit le Talmud Yerushalmi. Et pourquoi il s'appelle, il nous dit le Rav, pourquoi il s'appelle Yerushalmi? Parce que lui, il habitait Rabbi Yohanan à Jérusalem. Et Rabina et Ravashi, c'est eux qui ont scellé le Talmud Bavli à Babel. Et le Talmud qu'on a aujourd'hui, c'est le Talmud Bavli. Alors on a deux Talmuds, un Talmud Yerushalmi, un Talmud Bavli. Qui c'est qui a écrit le Talmud Yerushalmi? C'est Rabbi Yohanan selon les Mishnayot qu'on a de Rabbi Yehuda Hanassi. Et qui c'est qui a écrit le Talmud Bavli? C'est Rabbi Rabbi Ravashi. Maintenant, il dit le Rabbi Inyan Shnei Talmudim ou Pirush Divrei Mishnah ou Be'ur Amkuta ou Dvarim Shitrashu Bechol Bet Din ou Bet Din Nimot Rabbeinu Akadosh Ve'ad Chibur Talmud. Maintenant, tous ces Shnei Talmudim, les deux Talmudim qu'on a eus, c'est des explications et même profondes de tous les Mishnayot qu'on a eus. Alors, ils sont venus Rabbi Naver Ravashi et Rabbi Yohanan. Ou Mishnei Adamidim, ou Mina Tosefta, ou Mina Sifra, il y avait aussi Tosefta, il y avait Sifra, il y avait Sifri, Sifra et Sifra. Qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il a écrit? On a dit hier, c'est Rav. Mais Kulam et Baer, et maintenant dans la Gemara, il y a des explications selon les Mishnayot, la Gemara. Est-ce que c'est Masemuta? Est-ce que c'est Assur? Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'es Taor? Qu'est-ce que c'est Hayab? Qu'est-ce que c'est Patour? Qu'est-ce que c'est Pasoul? Qu'est-ce que c'est Kacher? Ochmo Shetibu Ish Mipne Ish At Nipi Moshe Rabbeinu Zerol Abraham Yessina. C'est-à-dire qu'on a reçu transmission de Moshe Rabbeinu jusqu'à à la fin. On a eu le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Et ça, de Moshe Rabbeinu. Gamit Baer Mehem. Par tout cela, il y a aussi les Nevi'im. Les Nevi'im, c'est les prophètes qu'eux, ils ont fait des fois des décrets. Après le Talmud, en général, il n'y a plus de décrets. Il n'y a plus de décrets. Ça veut dire qu'on ne peut plus, nous, faire des décrets. On peut faire des barrières. Avec des xerot, on ne pourra pas faire. Des barrières, on a les Chachamim. Si par exemple, un Chacham, lui, il a compris que dans la génération, il faut faire une barrière, alors lui, puisque c'est un gadol, il peut faire une barrière. Comme chez Shamou, Mipi, Moshe Rabbeinu, Rezofan, Mavacha, Vepiru, Shenema, Oshmartem, Et Mishmarti. C'est écrit clair dans la Torah, dans Vaikra. Oshmartem, Et Mishmarti. Qu'est-ce que veut dire Oshmartem, Et Mishmarti? Oshmartem, préserver, ma Mishmarti. Qu'est-ce que je vous ai donné en garde? Ma Mishmeri. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il dit Ochachamim, à Moshe Rabbeinu et Ochachamim, de mettre, oui, des barrières. Il faut savoir que la Gemara dans Brachot, elle dit, tout celui qui est ouvert à Dibre Chachamim, Chayav Mita. Si on transgresse une parole de Chachamim, c'est Chayav Mita. Et si on transgresse une parole de la Torah, c'est pas Chayav Mita. Si c'est un lave de la Torah, c'est Chayav Malkout.
Si c'est un assez, eh bien, transgresser un assez. Ça dépend si c'est un assez, il est dans un chavat gavra, ou un chavat mitzvah, mais ce n'est pas comme les paroles des chachamim. Les paroles des chachamim, c'est tellement grave pour, parce que les gens ils peuvent négliger les chachamim. La Torah, oh, comme avant, on n'a pas le droit de manger des fruits qu'ils n'ont pas fait le maaser. Avant, les Amé ils faisaient une Trouma Gdola, et par contre, maaser Richon, maaser Chené, tout cela, ils ne faisaient pas attention à tout cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas Issour, de nos jours, c'est pas Issour Torah, mais maaser Richon, excusez-moi, Trouma Gdola, c'est Issour Torah. Et comme dans Trouma, c'est Hayav Mita, alors même ceux-là qui n'étaient pas trop dans la religion, on connaissait bien la halakhot, alors ils se négligeaient. Mais sinon, okay, ils ne faisaient pas attention aux divrei hachamim. Alors, les hachamim, ils ont dit, Ad Kedekar, comme ça c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, un homme qui transgresse les paroles des hachamim, Hayav Mita. וכן יתבהר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור. הסיון יש לנו אקלרסיוס. תו למנהגים. תו לתקנות. כסכיזון פי לחכמים. אונן שק ג'נרסיון כמו ראו בבית דין של אותו הדור. כמיזון פי לבית דין דלמם ג'נרסיון. לפי שעשו לעשו מהם. אינו אונו אובליג'י דלסויב. C'est à sourd de se pencher à droite ou à gauche de leurs paroles. L'otasur minadava asha'egin le chayamin ou smol. T'as pas le droit de pencher ou à droite ou à gauche de tous les enseignements qui te disent les chachamim. Vechen mishpatim edinim ou muflaim. Shelo kiblum moshe rabben ou zachon l'amacha. Vedanu bahem et beddin shelo to ador. Vemidot la Torah nidreshet mahem. Ça veut dire qu'ils n'ont pas inventé. Ce n'est pas des inventions. On a envie. C'est tout selon les règles de la Torah. On a des règles, on a une transmission des règles, et suite à les règles, on va comment on comprend la Torah de Gosha. Ou parce que autant mazekenim gamu adin kach ou à quoi ça veut dire qu'est-ce qu'il le Rav nous explique tout l'enchaînement. C'est-à-dire que notre Torah Baruch Hashem, la Torah d'Am Israël, c'est pas un homme qui s'est levé de bon matin comme celui-là là-bas et il est rentré dans une grotte. Et il a dit, c'est bon, j'ai reçu transmission par WhatsApp, par la Kadosh Baruch Hu, et il m'a donné, et maintenant, là, je vais vous transmettre qu'est-ce qu'il m'a dit à Kadosh Baruch Hu. Ah, mais ça, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il a transmis à Am Israël, tout Am Israël en vue, en entendu, les deux premières lois. Anochi Hashem Elokecha. Lo yé lecha Elohim acherim al panai. Deux commandements. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, on ne peut plus tenir. Hashem itaber lecha. Quand Hashem Baruch Hu va parler vers toi, après tu vas nous dire, tu vas nous transmettre qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas tenir. Mais tous ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elohecha. Et tous ils ont témoigné Kabbalat Torah mi Har Sinai. Et ça, c'est transmission, Midor, Ledor. Un papa, il est prêt que son fils, il peut mourir pour la Torah, Gdosha, comment c'est possible? Se donner coréen pour la Torah, Gdosha. Ça veut dire que c'est Emmet. Et nous, on a reçu la Torah, Gdosha, de Moshe Rabbeinu, de père en fils. Et c'est ça qu'on transmet aux enfants. Et c'est pour ça que c'est Emmet. Ce n'est pas des inventions. Il faut qu'avant, quand un homme, lui, il comprend que c'est Mamash Emet pour après. Et après, tout cela du Mont Sinaï, après maintenant, on a reçu les deux Talmud, le Talmud de Bavli de Ravashi. Lui, il a écrit le Talmud, son fils, après, il a scellé. Ils passeront Israël, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Israël, ils se sont éparpillés dans tous les endroits. Ils étaient en Ashkenaz, ils étaient en Afrique du Nord, en Espagne, en Israël, en Russie, en Australie,
Même dans les îles là-bas, ils étaient Israël. Mais Rav Taktata Baola, il y avait après la guerre. Et les voyages, il y avait des voleurs, des bandits, ils empêchaient Amisel de partir à droite et à gauche, même pour étudier la Torah. Vous savez, jusqu'à 1830, en Algérie, il y avait tous les Chachamim, Chachamim du Maroc, de Tunis, d'Algérie, ils étaient en Algérie. Après 1830, tous les Chachamim se sont sauvés de l'Algérie parce que les Français sont venus. Pourquoi? Les Français y rentrent. On parle d'avant, quand ils ont conquis. Maintenant, il n'y a plus de Torah. Ils vont faire tout pour oublier la Torah. Ils vont te donner le théâtre, ils vont te donner les gymnastiques, ils vont te donner les films. Tout cela règle pour oublier la Torah. Alors les Chachamim se sont sauvés de là-bas. Dans les chemins, il y avait des problèmes. Mais Talmud Torah, ben on a reçu Israël, il mord bien Shivatayim, à la fin on va voir comment Shaya Mekodem et Israël, ils pouvaient pas étudier comme à l'époque. Avant, à l'époque, les Yeshivot ils étaient pleins. Après, doucement, doucement, quand il n'y avait pas quoi manger, à cause des guerres, les chemins et la Mitkabtsi, non seulement dans les petits groupes, ils étaient. Asridi, Masher Hashem, Akore, Bechol Ir, Beir, Bechol Midam, Medina. Ceux-là, maintenant qu'ils étaient Chachamim, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient que son fils il est Chacham. Il ne veut pas qu'il va aller à la faculté, parce qu'il connaît la valeur de la Torah. Qui c'est que lui, maintenant qu'il dit à son fils d'aller à la faculté? Parce qu'il comprend. Ah, mais tu ne comprends pas. Il faut manger aussi. Il mène Kemachin Torah. C'est ça que les gens qui disent. Il mène Kemachin Torah. Il n'y a pas de Kemach. Il n'y a pas de la farine. Alors, il n'y a pas de Torah. C'est vrai. Mais tu as oublié une chose. Qui c'est qui donne le kémar? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne le kémar, c'est pas toi qui donne le kémar. Mais il faut faire la ishtatut, le bonhomme, il te dit. Il faut investir. Investir. Il faut y aller à la faculté. Comme ça, ils te disent, comme ça, ils parlent les gens. Mais qui t'a dit qu'il faut faire y aller à la faculté? C'est ça qui va te donner à manger? Le raïti, il s'adik, il y a un zavazarum. Il a dit, j'ai pas vu un tzadik qu'il est abandonné et il demande le pain. Qui c'est qui donne à manger? C'est pour eux là, on a oublié tout cela. C'est plus dans notre mœurs. Vous savez où c'est? Et à la synagogue. Mais où il est Akadosh Baruch Hu dans ta vie? Où il est? Mais non, tu n'as pas compris. La vie c'est quoi? Il faut un peu de Torah, d'accord, mais il faut avoir une situation. Si tu n'as pas de situation, alors là, ça ne marche pas. Mais c'est faux. La situation, elle vient rien que tenir le fait que tu continues à étudier la Torah. Ce n'est pas l'essentiel, c'est la situation. Et quand j'ai le temps, alors je vais étudier la Torah. Quelqu'un qui comprend comme ça, eh bien, il s'est planté. C'est la Torah, c'est Avodat Hashem, et la situation, elle est venue pour m'aider pour la Avodat Hashem. C'est ça que ça marche avec les gens, tout l'inverse. Pourquoi c'est tout l'inverse? C'est simple, parce que les gens, ils sont pris par le courant du monde, par la société. C'est quoi la société? Tu as oublié de faire des études. Parce que ah, bah, tu es un seigneur, tu as un bon travail, tu as besoin de l'oseille. Ah, tu sais quoi, après je vais donner je vais faire des dons à la bête à Knesset. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tes dons. Qu'est-ce qu'il a besoin à Kadosh Baruch Hu? Tu es un bon juif. Et comment tu peux être un bon juif? Mais suis-le. Le chemin d'être un bon juif. C'est quoi? En premier, que c'est dans ta texte, c'est clair. Maïkar ma tafel. Vas-y, Ikar en français. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Tafel, qu'est-ce qui est moins essentiel? Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Il veut de toi que tu es un bon juif. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon juif? Un bon juif, Torah Mitzvot. Après, tout ce qui va t'emmener pour le but, là, t'as gagné. Il dit le Rav, rien que les restants, les rescapés d'âme Israël qui voulaient étudier la Torah,
chaque ville ou chaque pays, ils venaient, ils étaient dans un petit coin, ils étudiaient la Torah. C'était pas tout le monde. Parce que où ils étaient tout le monde? Imen Torah, comme ça ils te disaient les gens. Ils emmènent des psukim de la Torah et ils te disent. Ils te créent des systèmes. Mais est-ce que c'est le Hémet? Tu crées tout un système, c'est cela Hémet? Et regarde, réfléchis bien, c'est là, Hémet. Ou peut-être tu te caches derrière les psukim. Et c'est ton Hémet, et pas le Hémet d'un coach. Fais un bilan, tu verras. Ce bilan-là, maintenant, que c'est Shekir, c'est pas Hémet. Parce que le Hémet, il macho batoba olamo. Il dit le Ramchal. Jusqu'il sera vrai dans ton cœur, qu'est-ce qu'elle est ton chova? Chova, c'est ton obligation dans ton monde. C'est quoi? Manger des cacahuètes? Aller à la piscine? Tu peux y aller à la piscine, quand même. Personne ne t'empêche d'y aller à la piscine, rien qu'avec des hommes. Hein? Personne ne t'empêche. Va à la piscine, tu veux kiffer, va kiffer. Personne ne t'empêche de kiffer aussi. Le monde, il était créé aussi pour cela. Pour ça, tu es bien dans ta peau. Mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le but. C'est rien qu'un moyen. Et les gens, ils font d'un moyen un but. Et les gens, ils parlent dans le néant. Ils sont dans le néant, dans le vide. Vite. Rien que les Sredim, il dit le Rav, Sredim, c'est rien que les rescapés, ils sont dans leur coin, ils étudient la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que tout le monde entier, Am Israël, ils sont où ils sont maintenant. Doucement, doucement, ils commencent à revenir. Asher, Hashem, Koré, Becholir, Vahir, Bechol, Torah, ils ont enseigné la Torah et ils commencent à comprendre dans les Hiburim, dans les écrits. Tu peux lire un écrit que le Rav il a écrit, il t'a donc transmis un message et tu peux le comprendre de travers. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait suffisamment de chimouche. Tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il veut t'enseigner, qu'est-ce qu'il veut te transmettre le Rav. Non, mais le Rav aussi, il faut qu'il me comprenne. Mais tu n'as pas besoin que le Rav qui te comprenne, c'est toi que tu dois comprendre le Rav. Et c'est ça que le monde il est à l'envers aujourd'hui. On veut mettre maintenant notre tête dans la tête du rave. Maintenant, il n'a pas compris le rave. Attends, 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 attends. Mais moi aussi, j'ai des besoins. J'ai des besoins. D'accord? Tous ont dit que tu as des besoins. Tu as des envies. Mais annule-toi un peu. Annule-toi. Soumission. On n'a pas soumis. On n'est pas soumis. Nous tous, on n'est pas soumis. Tous les jours, on dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, l'Olam Ha'Et. Pourquoi on dit ça? Une des raisons. Hé, mon fils, t'as oublié. Hachem Melech. C'est pas toi le roi, c'est lui. Hachem Malach. Mais maintenant, il est le roi. Il était le roi, il est maintenant le roi. Et il sera le roi. Ça veut dire, calme-toi. Ne mets pas ta tête dans la tête dans la, de la Kadosh. C'est règle de comprendre qu'est-ce qu'il veut à Kadosh dans ce monde-là. Nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On dit, écoute, je vais m'arranger avec Kadosh. Je vais m'arranger avec lui. Tu verras comment j'ai raison. J'ai raison, moi, tu verras. Mais c'est pas ça. C'est pas le Emet ta amiti. Emet ta amiti, c'est qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. T'as assez retsono ki retsono. Retsoncha ki retsono. Fais ta volonté comme la volonté de Kadosh Baruch Hu. Pas ta volonté comme ta volonté. Ta volonté, il faut qu'elle est comme la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vrai qu'à travers, si tu fais chimouche, t'as des rachats. Tu fais chez nous, je t'ai collé un grand rab. Parce que pas tous des rabbinim, ils ont compris. Il y a des rabbinim, Baruch Hashem, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Nedim Tatora, comme ça on dit dans la Haggadah. Tout le monde, on sait. Baruch Hashem, Am Israël, Avaliyah Degdolim, Baruch Hashem, Arav Avadia Zatzal, Arav Shlomo Irbach Zatzal, tous les Gdolim, Arav Kanievski. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, où vous êtes, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de nous. Machovatra beolamcha, quelle est ton obligation dans ton monde, dans ce monde-là? Yehudi le Rav, et il dit, grâce, regardez,
comme c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Gemara, pour Khazemaimadava, si tu as un safek, si tu as un doute, va voir dehors qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir une chose. Si tu es dans un doute, regarde qu'est-ce que c'est écrit dans les écrits. Et quand tu sais bien comprendre qu'est-ce que les écrits te disent, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il dit le rab. Ve'yodim mehem amitzvot asher tziva adon akol baruch hu. Grâce aux écrits, grâce que les talmidei agdolim, les talmidei chachamim, ils ont écrit, tu comprends qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il veut de toi. Et des fois, on n'a pas un bon décodeur. Vous savez, les décodeurs qu'on met ici, quand des fois on veut comprendre quelqu'un, lui il parle en chinois, moi je parle en français, je veux le comprendre. Alors il peut parler jusqu'à demain, je ne peux rien comprendre. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'un décodeur. D'accord? J'ai des petits écouteurs dans ici, et je comprends. C'est vrai? Et des fois, tu as un faux décodeur. Ton décodeur, il ne parle pas chinois, il parle en anglais. Alors toi, tu ne le comprends pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne comprends pas? Parce que même quand on étudie la Torah, quand tu mets ton ani dans le limon de la Torah, ton ani, ani c'est moi, ani c'est les mots, aleph, nun, yud, c'est les mêmes lettres que n. Si tu mets ton ani, alors toi tu es n, ah, tu n'es rien. Mais si tout le monde, tu dis n, tu dis moi je suis rien, je ne comprends pas, je veux comprendre qu'est-ce qu'il dit le rab, là tu seras ani. Tu seras toi, tu vas vraiment, tu vas comprendre ce qu'il dira. Ça dépend où tu mets ta tête. Si toi tu mets ta tête et tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'il dit le rab, et pas que tu veux contredire les paroles du rab. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Non, mais il a tort, il n'a pas compris. Nathan, tu sais qui c'est le rab? Comment Rav Obadiah Zatzal, il parlait une halakha. Un homme, il vient, il dit, non, mais arabe, mais tu sais qui c'est Rav Obadiah? Je ne suis pas d'accord sur quoi? Comment tu peux dire que tu n'es pas d'accord quand tu ne connais rien? Si tu étais un homme, Baruch HaShem, tu as grandi dans la Torah, ta tête c'était une bombe nucléaire, tu peux dire, je ne suis pas d'accord, alors tu as tes arguments. Mais tu n'es pas d'accord sur quoi? Tu n'es pas d'accord? Tu as reçu la Torah de Moshe Messina et tout de suite maintenant, tu t'es dit que tu n'es pas d'accord? Avant que tu n'es pas d'accord, il faut que tu es dans la Sougia, dans la Torah, dans la Gemara, bien à fond. Après, tu dis peut-être je ne suis pas d'accord, tu as des arguments. J'ai mis ça quand même.